Good morning, allez, Idan, tu seras aujourd'hui le Lunishmat Richard Ben Fortune Mazal, Claudie Srak Ben Fortune Mazal et Moïse Rabbi Shmuel Ben Rabbi Shmuel Zalman. Si vous souhaitez vous aussi étudier une prochaine étude du Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Rosh Hashanah, Perek Gimel, Mishnah Zain. Atokia letoch habor, o letoch hadut, o letoch hapitas. Im kol shofar shama, yatsa. Im kol havara shama, lo yatsa. Vechad Mishaya over achoy bet haknesset, o shaya beto samuch le bet haknesset. ושמע כל שופר או כל מגילה, אם כיווני בו יצא, ואם לאו לא יצא. אף על פי שזה שמע וזה שמע, זה כיווני בו, וזה לא כיווני בו. Deux sujets en rapport avec la tkiat shofar. Le premier cas, c'est à toquer à l'étoch abor. Celui qui sonne du shofar, alors qu'il est dans un puits, ou encore, au l'étoch adout. Il est aussi dans une sorte de puits, mais cette fois-ci, la différence entre le puits et le doute. Puits, c'est quelque chose qu'on creuse. Et d'où, c'est on construit des murs, c'est un réservoir en fait. On a construit des murs pour pouvoir mettre de l'eau dedans. Le principe de ces deux choses-là, c'est qu'il y a un son qui résonne, comme le troisième cas encore. On le toque à pitas, dans un pitas, c'est une sorte de grand tonneau en terre, en, comment ça se dit, en chesse, en argile. Et d'accord. En tout cas, concrètement, notre principe, c'est que lorsqu'il sonne du chauffard, il y a un écho qui revient. Alors la Mishnah me dit comme ça. Après, on va expliquer de quel cas précisément on parle, mais en tout cas, les mots, le Mishnah dit Im kol shofar shama yatsa. Si lorsqu'il a entendu le son du shofar, il a entendu le son direct du shofar, alors yatsa. Veim kol havara yatsa. Par contre, si c'est le son de l'écho qu'il a entendu, lo yatsa, alors il ne s'acquitte pas. La Gemara explique en fait, elle nous rapporte, que celui qui est à l'intérieur du puits, c'est sûr que ceux qui sont à l'intérieur du puits, dans le. D'accord? Ceux qui sont en ce moment-là, en endroit directement, c'est sûr qu'ils entendent directement le son du chauffard, ils n'ont pas de problème. La question se pose pour ceux qui sont à l'extérieur. Selon le cas, il est possible qu'en fait, ils n'entendent pas la voix directement du chauffard, mais ils entendent la voix qui a frappé sur le mur et qui revient sur lui en haut. Et dans ce cas-là, si c'est le cas, eh bien, il ne s'acquitte pas. La Mishnah ni la Gemara ne donnent pas d'instructions concrètes. Comment est-ce qu'on peut savoir si c'est le chauffard directement qu'on entend ou si c'est autre chose? Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut définir, en fait. Peut-être quand il s'arrête, est-ce qu'on entend le son qui continue? Probablement. Deuxième sujet. L'vechen. Mi shaya de même. Alors, le de même, les commentateurs peinent à l'interpréter parce qu'on va parler d'autre chose en fait. Une certaine similitude, mais un peu lointaine. Dans la Gemara, c'est même pas rapporté qu'il y avait le vechen. C'est deux mishnayot différentes. Concrètement. Mi shaya over achore beta knesset. Celui qui passait derrière la beta knesset. Il y avait la beta knesset, il passait à côté. Et quoi? Oshaya Beto Samouch la Beta Knesset, encore il a sa maison qui était à proximité de la Beta Knesset, de la synagogue. Il habite pas, il est pas venu à la synagogue, lui. Il était en bidoud, en confinement. Et quoi? Veshama kol shofar kol megila. Maintenant, il était tranquillement assis sur son balcon, et il entend le son du shofar. Il dit super, j'ai même pas besoin de partir me casser la tête à chercher un shofar ensuite. J'ai tout entendu. Alors la Mishnah me dit, « Imkiven libo yatsa, s'il a eu l'intention de s'acquitter, eh bien yatsa, il s'en acquitte. Veim lav, et s'il n'a pas eu d'intention de s'en acquitter, eh bien lo yatsa, il ne s'acquitte pas de sa mitzvah. » Soit, en fait, prenez par exemple le cas du chauffard, il est tranquillement chez lui à la maison, il entend des sons, et puis après il dit, « Ah super, c'est la mitzvah, j'ai écouté le chauffard maintenant. » Donc, après, j'aurai pas besoin de partir me chercher quelqu'un qui va me sonner du chauffard pour moi. Je me suis acquitté de ma mitzvah. Alors le Mishnah me dit, ben, c'est à condition qu'il ait eu l'intention de s'acquitter en entendant. Par contre, s'il a eu les sons qui sont venus après, il se dit, ah, mais après coup, il se dit, ah, c'était le chauffard, donc je me suis acquitté de ma mitzvah puisque j'ai entendu les sons. Il ne s'acquitte pas parce qu'il faut avoir une intention. Précision très importante. Ça ne suffit pas d'avoir l'intention de celui qui écoute. Il faut aussi l'intention de celui qui sonne. Et c'est justement, là, on parle d'une personne qui sonne. On parle que celui qui sonne le chauffard, ou celui qui l'a mis là, même principe, il est à la synagogue. Lorsqu'il est à la synagogue, il a l'intention de dispenser, d'acquitter de la mitzvah tous ceux qui écoutent, pas ceux qui sont présents dans la synagogue, tout celui qui veut. Donc du coup, lui, par rapport à celui qui sonne le chauffard, il a une intention pour tout le monde. Après, il faut la deuxième partie maintenant. Donc, toi qui entends, hein, que tu fasses attention à avoir toi aussi l'intention de t'en acquitter. Par contre, cas de figure. Qui peut se présenter dans certaines situations, chez nous ça s'est déjà présenté, c'est intéressant d'ailleurs, c'est si celui qui sonne du chauffard, il sonne pour acquitter une certaine personne, il n'est pas à la synagogue,
il fait quelque chose de très personnel pour une personne. Imaginez quelqu'un qui est parti en visite à une vieille personne, alors Jean qui ne pouvait pas sortir de chez lui, il a sonné le chauffard, il y avait le voisin qui était malade, et du coup lui aussi, il a entendu qu'il sonne le chauffard, il a eu l'intention de s'en acquitter. Mais celui qui sonne le chauffard, il n'a pas l'intention explicite pour le voisin qui est de l'autre côté du mur. Et bien là, cette fois-ci, il ne s'en acquitte pas. Parce qu'il faut la double intention, de celui qui sonne et de celui qui s'en acquitte. Nous, on a le cas qui s'est présenté, c'était pas tellement pour un homme, c'était plus pour une femme. Ma femme qui était à la maison, qui avait un bébé, qui ne pouvait pas tellement sortir pour aller écouter le chauffard. On a un voisin qui a sonné pour acquitter sa femme. Et donc, une femme, elle n'a pas l'obligation d'écouter. Mais si elle veut accomplir la mitzvah, elle doit le faire comme il se doit, avec intention, et que celui qui sonne, il ait une intention aussi pour elle. En l'occurrence, on a eu le voisin, qui est le tokéa de tout le quartier, et lui, il a sonné pour sa femme, ou peut-être une personne qui était venue les voir là-bas, je ne sais pas, et du coup, ma femme a voulu aussi s'en acquitter, ben, elle ne peut pas accomplir une mitzvah de la sorte, il faut avoir une intention explicite de celui qui sonne comme de celui qui écoute. Ok? Et la Mishnah de conclure, Afalpi chez Zeshama, Zeshama, constatation intéressante, bien que celui-ci écoute et celui-ci écoute, il y a deux personnes qui écoutent. À la Mir Peset, là, sur le balcon, à côté de la synagogue, il y avait deux personnes, il y avait deux frères, ils étaient tous les deux en confinement. Un, il a entendu le chauffard, et l'autre, il a entendu le chauffard. Un, il a accompli sa mitzvah, l'autre, il n'a pas accompli sa mitzvah. Pourquoi? Zekivanebo, Zelokivanebo, celui-ci a eu une intention explicite, il a eu une kavana, Kivanebo, il a eu l'intention de s'acquitter de sa mitzvah, mais alors qu'il et l'autre ne s'est pas acquitté de sa mitzvah, et de là on apprend bien sûr qu'il faut avoir une kavana de s'en acquitter. Ok, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov Selah.